Les auteurs du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, cela devrait vous donner une idée de ce que j'en pense, ont en commun avec ceux de Kinfire Chronicles qu'ils viennent du milieu du jeu vidéo et de l'animation. Les Écossais Pablo Clark et Andrew McKelvey, vétérans de l'industrie du AAA, ont décidé en cette fin d'année de sauter dans le grand bain de l'industrie ludique, après avoir passé de longues années sur ce qui, à l'origine, n'était qu'un prototype fait de cartes à jouer. Vous le savez, je n'avais pas tari d'éloges pendant la campagne de Kinfire Chronicles, un jeu qui depuis a tenu ses promesses tant en termes de qualité de production que de gameplay. Ainsi, il me paraissait intéressant, en étudiant le premier projet d'Eerie Idle Games, de confirmer ou pas l'idée qu'avoir des auteurs venant du milieu vidéoludique est un gage de qualité. C'est sur la tombe d'un vieux roi que je vous propose de débattre de ce que les transfuges de l'industrie vidéoludique ont à apporter à notre hobby, disséquons sans plus attendre Old King's Crown, qui pour le coup est pas facile à prononcer. Old King's Crown, la couronne du vieux roi en français, est un jeu d'enchères cachées, de gestion et de deck saving, un terme de mon invention sur lequel je reviendrai tout à l'heure, se déroulant dans un pays imaginaire dont le roi, aussi secret qu'il était contesté, vient de mourir sans héritier direct. Le titre, hautement asymétrique, vous propose d'incarner l'une des quatre factions briguant le trône vacant, alors que, et c'est le cœur du thème, le royaume se désagrège lentement en l'absence d'un leader pour l'administrer. L'Assemblée, mystérieux peuple vivant reclus, voit en la mort du vieux roi l'opportunité d'imposer sa philosophie et ses rituels mystiques à l'ensemble de la région. La noblesse, décadente et en sérieuse perte de vitesse, fera de son côté tout ce qui est en son pouvoir pour verrouiller les portes d'un trône qu'elle convoite depuis bien trop longtemps, sans être capable de s'accorder sur la personne à couronner. Le clan de la révolte est de son côté prêt à toutes les exactions pour renverser le pouvoir en place, misant à la fois sur la solidarité de ses membres et sur ses espions infiltrés partout pour changer de régime. Enfin, les clans, débarqués fort opportunément d'une terre lointaine, comptent sur la force de leur nombre pour faire de votre royaume une dépendance de leur territoire d'origine. Chacune de ces factions, chacun de ces prétendants au trône, va se lancer au fil des années qui constituent les tours dans une grande campagne qui mènera bataille sanglante certes, mais aussi négociations, diplomatie et subterfuges, afin d'obtenir la légitimité nécessaire pour prendre la direction du pays. Le premier joueur à obtenir un nombre de points d'influence déterminé par le nombre de participants sera désigné vainqueur. Old King's Crown est un jeu aux très nombreuses possibilités, aussi contrairement à mes habitudes, je vais commencer par vous résumer le déroulé d'un tour avant d'entrer plus en détail dans les mécaniques. La zone de jeu est découpée en trois grandes parties. La cour se trouve tout en haut, accompagnée des sites de puissance dans lesquels chaque faction pourra accomplir sa prophétie. Le royaume au milieu est divisé en trois régions contenant deux lieux pour le contrôle desquels vous allez lutter. La grande route, en bas, représente la périphérie du royaume, vaste terre que vous pourrez explorer afin de gagner en puissance. Chaque joueur est doté d'un plateau sur lequel se trouvent son héros et ses troupes, ainsi que 4 pouvoirs asymétriques sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Chacun possède également un deck de cartes absolument symétrique, à l'exception d'une unité particulière. Un tour est divisé en 4 saisons, 4 phases de jeu. Durant la première, le printemps, vous allez poser sur le plateau principal votre héros ainsi que vos troupes. Le premier vous rapportera un bonus de points d'influence si vous remportez le clash à cet endroit cette année, les secondes augmenteront votre score dans chaque région, mais seront difficiles à récupérer une fois déployés. Pendant l'été, vous placerez face cachée une carte de votre main à côté de chaque région, en prévision de la confrontation à venir. Thématiquement, il ne s'agit pas forcément d'un combat, aussi l'éventail de vos forces sera assez varié et disposera de divers mots-clés interagissant entre eux. Vous pourrez également placer l'une de vos cartes à côté de la grande route, si vous souhaitez envoyer l'une de vos unités à la recherche de trésors, mais cette action est facultative. Toujours est-il qu'au moment de la résolution, en automne, c'est bien la faction qui obtiendra le plus grand score dans chacune des trois régions, en additionnant la valeur de sa carte et de ses troupes, qui remportera les confrontations. Chaque clash gagné permet au vainqueur de choisir l'un des deux lieux de la région et d'effectuer l'action correspondante. Ainsi, le fait de gagner ces rencontres est essentiel puisque c'est la principale façon de réaliser les actions qui vous permettront de marquer des points.
Enfin, l'hiver constitue surtout une phase d'entretien pendant laquelle vous défausserez les cartes jouées, mais c'est aussi à ce moment que vous révélerez celles que vous aurez éventuellement posées près de la grande route. Ici, pas d'affrontement, mais le joueur ayant posé la carte la plus forte pourra choisir son trésor en premier, puis les autres joueurs prendront ceux qui restent par ordre décroissant de valeur. Vous l'avez compris, All King's Crown est donc un jeu d'enchères caché au squelette assez élémentaire, mais c'est la multitude des effets et des actions possibles qui le rendent vraiment exceptionnel. Commençons par le point qui distingue vraiment ce titre de beaucoup d'autres. En apparence, le projet d'Eerie Idol pourrait laisser croire qu'il tourne autour d'une mécanique de deck building. Or, c'est complètement l'inverse. Au fil des tours, alors que vous allouez des personnages à certains lieux, ou tout simplement qu'ils sont tués au combat, vous allez appauvrir votre pioche qui va contenir de moins en moins de cartes. Or, All King's Crown simule la décadence du royaume par un système d'attrition. Si, à un moment du jeu, vous devez piocher une carte mais que votre paquet est vide, vous allez bien sûr remélanger votre défausse pour reconstituer votre pioche, mais vous allez aussi réduire votre taille de main, représentant l'appauvrissement et l'affaiblissement de vos forces au fil des années. Cette mécanique, ingénieuse tant mécaniquement que thématiquement, sera à garder à l'esprit tandis que je vous détaille les effets des différents lieux du plateau. Souvenez-vous, à chaque tour, vous allez, pour chaque zone, calculer votre force en additionnant la valeur de la carte que vous avez posée à celle des éventuelles troupes que vous aurez déployées pour déterminer un vainqueur. Si vous remportez le clash de la zone supérieure et que vous choisissez la zone du château, vous pourrez placer l'une de vos cartes portant le mot-clé « autorité » sur le trône. Celle-ci vous rapportera autant de points de victoire à chaque tour que sa valeur d'autorité, mais il y a deux subtilités à garder en tête. D'abord, il vous faudra faire en sorte de continuer à remporter cette région pendant les tours ultérieurs au risque d'être rapidement détrôné. Ensuite, la carte posée sur le trône ne se trouvera plus dans votre jeu, ce qui peut vous rapprocher de l'attrition. Si, après avoir remporté le clash de cette zone, vous choisissez plutôt les étendues sauvages, vous pourrez placer une carte portant le mot-clé « quête » sur votre site de pouvoir. Cela vous permettra, une fois un certain score de quête atteint, de débloquer là où les cartes uniques de votre faction, appelées cartes mythes, décuplant votre puissance au prix de la mort définitive des unités en quête. Sacrifier des unités pour obtenir des points de quête peut aussi vous servir à rafraîchir vos 4 pouvoirs uniques, qui constituent souvent la pierre angulaire du gameplay de votre faction. Dans tous les cas, comme pour le trône, emprunter cette voie peut être très coûteux en cartes, et il vous faudra prendre soin de ne pas vous démunir trop tôt. La zone du milieu est plus élémentaire. En remportant le clash dans cette zone et en choisissant les récoltes, vous gagnerez 2 points de victoire. Si vous choisissez plutôt le champ de bataille, vous aurez le choix entre faire perdre 2 points à un adversaire ou obtenir un collaborateur, jeton qui vous permettra de déclencher 3 fois le pouvoir ultime de votre faction. Enfin, la zone du bas, si vous la remportez, vous permettra de gérer votre deck afin de ne pas subir l'attrition. En choisissant le tombeau, à gauche, vous pourrez placer 3 cartes révélées ou de votre main dans votre pioche. Les cartes révélées peuvent être celles qui viennent d'être jouées ce tour, ce qui vous permet de les remettre dans votre paquet au lieu de les défausser à la fin du tour et de risquer de manquer de pioche. La nécropole, elle, vous permet d'aller chercher 3 cartes au hasard dans votre défausse pour les replacer dans votre pioche, ce qui sera votre solution d'urgence si vous avez trop appauvri votre deck. Enfin, si vous avez placé une carte sur la grande route, vous aurez le choix entre prendre une carte royaume et la placer sur votre plateau joueur, sachant qu'il faudra que l'unité que vous avez jouée l'occupe et que cela mobilisera une carte supplémentaire qui ne sera plus dans votre jeu, ou bien voler l'une des cartes royaume de votre adversaire si la force de votre carte est supérieure à celle de la carte qui l'occupe. Ces cartes royaumes peuvent être actives ou passives, permanentes ou à usage unique. Dans tous les cas, ce sont elles qui vont pimenter le jeu en permettant de créer des combos parfois dévastateurs avec les pouvoirs propres à votre faction. Je ne pourrai pas ici entrer dans tous les détails, mais elles constituent véritablement la clé de la rejouabilité d'All King's Crown. Mon prototype s'accompagne également d'un mode solo déjà fonctionnel. Même s'il va reposer sur des cartes actions d'IA interagissant entre elles comme on peut en trouver dans Endless Winter, le mode solo du projet d'Eerie Idol semble vouloir pousser assez loin la customisation, en donnant le choix entre plusieurs archétypes d'ennemis et en permettant même au joueur de façonner le sien, offrant de fait une myriade de possibilités et de variations dans le gameplay.
Bien évidemment, vous perdrez contre l'IA la notion de bluff qui fait le sel du jeu, mais vous y gagnerez sur d'autres tableaux. D'une part, grâce à l'immensité des combos possibles avec les cartes royaumes, le titre prend dans cette configuration un aspect très roguelike, dans le sens où l'on essaye de tirer le meilleur des armes que le jeu nous propose, face à une IA à la difficulté modulable. D'autre part, l'absence de bluff est remplacée par l'effet de surprise de certaines cartes de l'automa, dont les effets sont impossibles à prévoir et qui viendront perturber vos plans de la même manière que le ferait un joueur qui vous prendrait à défaut. Pour profiter de cet automa, il vous faudra à minima maîtriser les bases du jeu multijoueur. Ceci étant, le mode solo évite les lourdeurs en ne tentant pas de simuler chaque phase et chaque effet des saisons. Si elle rend les parties plus fluides, cette simplification empêche son intégration dans des parties à 2 joueurs et plus. Il me sera malheureusement impossible d'aller dans le détail de tout ce qui fait le charme de cette Old King's Crown. Ce que vous devez retenir de cette présentation, c'est que le premier projet écossais s'apparente à un véritable bac à sable. Je vous l'ai dit en introduction, le titre fait son sel de combos parfois acrobatiques dont la portée s'étend sur tous les plateaux. Par exemple, avec un peu de flair et de réussite, vous arriverez peut-être à débloquer sur la grande route une carte royaume interagissant avec la cour, dans laquelle vous avez déjà posé une carte sur le trône. Si vous jouez les nobles, vous pourrez alors profiter de vos pouvoirs de faction pour marquer rapidement un grand nombre de points. Il vous faudra avoir les yeux partout sans être trop gourmand, au risque de réduire votre main à peau de chagrin. La force du jeu repose dans sa conception, il n'a pas vraiment de limite. Les auteurs offrent une gigantesque boîte à outils dans laquelle vous devrez piocher pour déclencher des effets parfois dévastateurs, sans que le nombre ni la portée de ces effets ne soient limités ou cadrés par le jeu. Ces possibilités presque infinies rendent le titre difficile à équilibrer, puisque les auteurs avouent eux-mêmes qu'il existe probablement encore des combos et des synergies qu'ils n'ont pas découvertes. Le but d'Old King's Crown n'est pas de proposer un jeu de gestion classique, au contour net, mais un titre dans lequel la créativité et l'opportunisme prennent une part importante. De fait, on peut dans une certaine mesure remporter le jeu sans combattre. Durant l'une de mes parties, un adversaire avait réussi à placer plusieurs nobles sur le trône, puis a complètement verrouillé la région, m'empêchant de le déloger de la cour avant qu'il ne soit trop tard. Des mots même d'un des auteurs, le slogan d'Old King's Crown pourrait être « Win your own way », gagner comme vous le souhaitez. Je ne peux résister à l'envie de vous exposer deux des combos qui ont été découverts pendant nos parties test, gardez à l'esprit qu'au vu du nombre de cartes royaumes disponibles, il a fallu à mon groupe une part de chance et d'opportunisme pour réussir à les déclencher. Un joueur du clan révolté a un jour obtenu sur la grande route la carte Gambling Den, qui permet de parier sur un mot-clé à chaque tour et de gagner des points d'influence, les points de victoire, si une carte avec le mot-clé en question est jouée dans un clash. En mettant tous ses efforts pour remporter la région du champ de bataille afin de conserver le collaborateur, il a pu, à chaque tour, activer l'ultime de sa faction qui lui permettait de regarder des cartes adverses. Ainsi, chaque année, il était certain d'emporter le bonus du Gambling Den, puisqu'il lui suffisait de regarder une carte adverse avant de parier sur un mot-clé, il s'était ainsi octroyé une rente en points. J'avais réussi, pour ma part, à marier le Grand Tourney avec le Sword That Slept, ce qui m'a permis, durant une année, de m'attribuer une victoire automatique dans une zone, ainsi que de doubler toutes les récompenses en points d'influence que celle-ci me rapportait. La seule frustration au final est que presque toutes les cartes royaumes vont vous paraître intéressantes et que vous ne pourrez jamais en avoir plus de deux simultanément. Dans ce bac à sable, la notion de timing est également essentielle. C'est le dernier joueur du tour qui va décider dans quel ordre seront résolus les clashs, et cela peut tout changer, puisque si vous remportez un clash pour aller au château par exemple, vous pouvez tout à fait y envoyer une carte qui a déjà participé à un clash précédent cette année. De cette manière, vous mettez sur le trône une carte qui aurait fini dans la défausse à la fin du tour, au lieu de devoir jouer une carte supplémentaire de votre main, ce qui vous aurait obligé à piocher plus au tour suivant, au risque de vider complètement votre pioche. Le défi qui s'impose maintenant à moi est de vous expliquer pourquoi Old King's Crown est exceptionnel, sans trop entrer dans les technicités. Ce qui est évident, c'est qu'il propose un regard radicalement différent de la plupart des jeux contemporains. À cause de la mécanique d'attrition, qui réduit votre taille de main si vous ne pouvez plus piocher, vous serez toujours en équilibre entre l'envie de délester votre deck de ses cartes les plus faibles,
d'immobiliser certaines de ces cartes sur le trône, en quête ou sur vos cartes royaumes, et de conserver de quoi piocher à chaque tour. Il est impossible de tout faire, d'être partout, et cette menace de l'attrition est bien plus efficace qu'une classique limite d'action par tour. Cela permet paradoxalement d'équilibrer le jeu, puisqu'un participant ayant eu beaucoup de succès pendant une année sera amené à placer des cartes un peu partout et se retrouvera avec moins d'options pour les clashs à venir. De fait, il existe une myriade de façons de gagner, brûler la chandelle par les deux bouts pour tenter d'amasser un maximum de points en quelques tours, ou bien au contraire faire un travail d'orfèvre en épurant son deck et en faisant en sorte de repiocher en permanence les mêmes cartes. Comme aux échecs, il est important de comprendre et d'anticiper les intentions comme les besoins des adversaires, et de faire le bon choix entre leur nuire ou poursuivre ses propres objectifs. Le fait de poser son héros et ses troupes en tout début de tour, comme une déclaration d'intention, est un puissant outil de bluff qui donne au titre un aspect cérébral allant au-delà du simple système d'enchères cachées. Je n'irai pas, je l'ai dit, trop loin dans le détail, mais certains des mots-clés de vos cartes accentuent d'ailleurs ce mind game. Chacun dispose d'un assassin qui a le pouvoir de retirer définitivement une carte adverse du jeu, mais qui lui-même est vulnérable aux cartes garde du corps. Vous pourrez aussi entre autres faire usage d'un éclaireur, vous donnant l'opportunité de vous retirer d'un clash s'il vous semble trop risqué ou perdu d'avance. Vous le comprenez, le thème est ici tout sauf plaqué, de la manière dont chaque faction fonctionne, avec ses mécaniques propres priorisant certaines zones du plateau, jusqu'aux lieux eux-mêmes. L'un des auteurs m'expliquait que le lieu champ de bataille avait peu d'intérêt en début de partie, et que cela collait à l'histoire qu'il voulait raconter. Au début de la guerre de succession, chacun tente de parlementer ou de jouer ses atouts, mais quand l'issue approche, en fin de partie, tout le monde finit invariablement par s'entretuer dans une mêlée sanglante. Je conclus ce tour d'horizon en précisant qu'à l'image de Veil Fate, votre expérience de jeu ne sera pas du tout la même selon le nombre de participants. Le fait que les decks de cartes soient identiques à une exception près fait que les duels dans All King's Crown sont très tendus, très calculatoires. Il vous appartiendra de vous souvenir si la carte Assassin adverse a déjà été jouée, ou si son unité la plus puissante, de valeur 11, est déjà dans sa défausse ou pas. A 3 ou plus, il est bien sûr beaucoup plus difficile de garder trace de tout, et la partie ressemblera beaucoup plus à ce que son thème évoque, une succession de tractations et de coups bas, de mouvements opportunistes et d'alliances temporaires. Cependant, on ne retrouve pas le problème du Kingmaker, les façons de scorer étant trop nombreuses et les options trop diverses. S'il est indéniable qu'All King's Crown aura sa place dans ma sélection des meilleures campagnes de l'année, vous aimeriez certainement savoir s'il est vraiment fait pour vous. Car c'est une évidence, il n'est pas fait pour tout le monde. Son côté libre, non balisé dans ses interactions, va le rendre parfois punitif pour un joueur qui ne trouvera jamais le déclic durant une partie. Le nombre impressionnant de choix et d'options sera certainement trop pour les gestionnaires les plus orthodoxes. Le jeu n'est pas un deck building, mais un titre dans lequel, au contraire, vous allez lutter contre l'affaiblissement de votre faction, faction qui d'une part se jouera très différemment des autres, mais qui en plus verra ses mécaniques altérées ou enrichies par votre choix de cartes royaumes issues de la Grande Route. Je ne me suis pas appesanti dessus, mais la création écossaise est également riche en mots-clés présents sur les cartes. S'ils sont tous assez évidents une fois qu'on les a appris, ils représentent un obstacle de plus à l'accessibilité d'un projet résolument expert. Il vous arrivera d'ailleurs fréquemment au début d'oublier un effet ou un pouvoir lors d'une saison, tant vous aurez de choses à surveiller. Cela dit, l'interaction de ces mots-clés rend chaque clash, l'affrontement des cartes pour le contrôle des régions, toujours plus tendu, puisqu'avec les bons atouts, aucun combo n'est imbattable, et qu'entre les assassins, les pillages et les fortifications, vous ne serez jamais à court d'options pour arriver à vos fins. Certes, la courbe d'apprentissage est assez raide. Il vous sera difficile de pleinement profiter du jeu sans avoir une vague idée de ce que les cartes royaumes, ainsi que les cartes mythes débloquées par les quêtes, peuvent apporter, et vos plus belles réussites n'interviendront pas avant d'avoir joué quelques parties. On est typiquement en présence d'un jeu dans lequel on ne sait absolument pas par où commencer lors du premier tour de sa première partie. All King's Crown est un jeu qui, au-delà des règles, s'apprend aussi de manière empirique, un jeu dans lequel il faut se lancer sans réfléchir, et accepter que l'optimisation n'arrivera que dans un second temps. Heureusement, l'éditeur a la courtoisie d'offrir à chaque joueur une aide de jeu thématique, qui en plus de reprendre les grandes phases d'un tour, rappelle la philosophie de chaque faction, ainsi que les grandes lignes de ce que devrait être sa stratégie, et de ce que sont ses points forts.
Dans le pire des cas, et il faut l'accepter, vous passerez un moment difficile si aucune planète ne s'aligne pendant votre partie. Cet état de fait assumé par les auteurs est le prix à payer pour la richesse et la multitude d'options qu'offre le projet, dont la rejouabilité immense est aussi due au fait que sans nécessité d'équilibrage absolu des combos, le nombre de cartes royaumes dans votre boîte est particulièrement élevé. Si certains la jugeront chargée, je trouve en outre la DA absolument magnifique, thématique et enchanteresse. Elle a été mon premier point d'accroche sur le jeu, et reste, au-delà de ses nombreuses qualités mécaniques, l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours envie de le ressortir. Laissant libre cours à la créativité ludique, élément rarissime à un niveau de complexité dans lequel toutes les actions et interactions sont normalement strictement encadrées, Old King's Crown sort aussi du lot par le fait qu'il propose un niveau d'interaction élevé entre les joueurs, autre aspect peu commun dans cette niche experte. Beau, débordant de thèmes, faisant activement appel à la créativité de ses participants, le jeu écossais fait partie de ceux dont, après une partie, on refait le match pendant des heures, tant on a de choses à se raconter et d'idées à échanger. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'éditeur continue activement de peaufiner son bébé et de polir ses règles, alors que la version française, si elle n'a pas encore été officialisée, est en cours de négociation. Celle-ci devrait, je l'espère, être acquise au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est la fin de cette review d'Old King's Crown qui, malgré sa difficulté de prononciation, fait partie de mes gros coups de cœur de cette année. Je vous invite donc, en attendant le début de la campagne dans quelques jours, à vous intéresser à son mode TTS qui est disponible gratuitement. D'ici là, méfiez-vous des traîtres, salut !